tu avais vécu au Moyen Âge, oui, tu aurais été considéré comme un artiste à part entière en faisant des vêtements. Oui. Mais après cette période académique et navrante que nous avons passée au 18e et au 19e siècle, oui, nous arrivons enfin au moment où le créateur qui s'exprime en créant des vêtements est à nouveau un artiste à part entière. Oui. Mais tu aurais vécu au siècle dernier, tu aurais été un pauvre malheureux considéré. Tu sais que M. Doucet, grand mécène, n'était même pas reçu chez ses clientes. Enfin, c'est une honte. Pardon, et moi, je trouve heureux qu'aujourd'hui, on reconnaisse comme un plasticien. Et vous êtes pour, la robe unique. Ah, je suis absolument pour la robe unique. Non, non, mais vous savez, ça a toujours été en vogue. Ça a toujours été en vogue. Et je pense que la monotonie, qui est celle de la vie quotidienne, exige plus que jamais que nous ayons des vêtements uniques. Bon, silence, s'il vous plaît, maintenant, on va faire la photo. Ne bougez plus. Oui, c'est ça, voilà. Continuez. Oui, c'est bon, c'est bien, 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 bien bon. Jean-Charles, il faut que je t'explique. Pour moi, une robe tableau doit être un short. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça apporte quelque chose. Alors, je vois pas comment... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens se retournent dans la rue, qu'ils la regardent, qu'ils disent « Tiens, encore un Castelbajac. Tiens, et encore, il marque un grand coup. » Alors, c'est pour ça que je pense que quand tu donnes la parole aux artistes, les artistes doivent mettre leur ego à fond là-dessus. Leur ego. Par exemple, moi, je me suis dit « Bon, comment est-ce que je peux faire ? Je veux remplir la toile d'objets. » C'est-à-dire, je veux clouer ça, je veux clouer ceci, un poisson, tout. Des centaines, des milliers d'objets, mais plein à craquer, on ne voit même plus la toile. Tout ça. Puis après, je me suis dit, non, les Japonais ont fait ça en 56, et puis il y a eu déjà un tas de gens qui ont fait ça, ça ne sert à rien. Après, je me suis dit, bon, tiens, je veux découper les seins, on va voir les seins. Non, Orlan a fait ça, puis tout un tas de gens font ça. C'est un peu facile. Donc, on cherche toujours à faire du nouveau. Comment... Et puis, je me suis dit la vérité, simplement écrire la vérité d'une manière ou d'une autre. Moi, j'aime, en fin de compte, j'aime dire n'importe quoi. L'histoire de la peinture et l'histoire de la robe, des couturiers, c'est la même. Vouloir choquer, apporter du nouveau. Mais moi, je ne dis pas que c'est nouveau, ça. Tout ça, c'est pour l'ego. J'avais envie d'écrire sur une robe que j'aurais portée. Moi, je suis une pute. Et puis, parce qu'en fin de compte, là, qu'est-ce que je suis en train de faire, la pute? Attention. Je vois le centre du monde, moi. Et il est beau, en plus. Il est mignon. Bravo. Le prince charmant. Tu ressembles à une fée, de toute façon. Attends, c'est du béret, si tu veux. Mademoiselle, écoutez, la robe est devant, derrière. C'est dramatique, ça, vraiment. Ah, c'est Walt Disney. Non, Fred Kimble, c'est qui a dessiné la grande mythologie américaine. Montrez-moi. Vraiment, ça tombe un peu, là. Bon, est-ce que l'ourlet... Attention. Eh bien, j'aime bien dans les Bruno. Oui. Comment on dit Bugs Bunny en français? Peut-être sur les tables un petit peu de lac. Le lapin heureux. Bugs Bunny. Là, il en pose, regarde, la lac. Là, j'aime bien trouver ça. Ah, ça, c'est ma favorite. Oui. La robe série noire. Tout le monde rêve de s'endormir avec une série noire entre les mains. La robe a effrayé. Et moi, elles sont un peu comme des drapeaux, hein, ces robes. Mais j'aime bien les femmes portées en dard. Oui. De mes sentiments. Do you understand? No, I don't speak French. Nobody's perfect. Ah, ouais. Je crois qu'il faut le mettre un peu plus haut. Oui. Mao Tse-tung, vous êtes chinois? Parce que je vais... C'est en Afrique qu'on peint les robes, non? Les portraits des présidents, dis-moi, tu n'as rien inventé, toi. Mais je l'ai fait de façon différente, c'est peint à la main, c'est cousu à la main, c'est toute une autre histoire. Que mes robes coûtent une fortune... On les achète sur les marchés, non, là-bas? Oui, et moi, sur un autre marché. Eh bien là, bon, je vais c'est faire une robe, bon, mais là, une robe en écru, comme celle l'autre, je l'ai faite avec plein de couleurs, genre psychédélique. Là, celle-là, je vais la faire assez simple, assez classe, avec le plus de mes personnages possible dessus. Et là, le premier que je suis en train de faire, c'est le plus célèbre, c'est Raymond. Raymond, c'est un gros personnage avec quatre pattes comme un éléphant, une grosse bouche, deux gros yeux, deux petites oreilles influencées par l'espèce invader, les machines, les video games. Oui, oui. Et Raymond, c'est le roi des cons, quoi. C'est le mec qui aime faire la fête à neuneu, le roi des cons qui essaye de draguer, qui arrive pas, enfin il est zéro, il tue les femmes parce qu'il arrive pas à se les faire, etc. Quoi. Le roi des couilles. Et Raymond, il a des copains? Et non, heureusement ou malheureusement, Raymond, il est pas seul, il a plein de copains, aussi peu recommandables que lui. Alors, bon, je vais te les expliquer un peu, tu veux bien? Alors là, il y a Raoul, qui est une espèce de tube rose monté sur face avec une énorme bouche, qui a une travesti, qui a une histoire louche. Il y a Raphaël, qui est un gros lézard vert. Raphaël, le peintre. Non, pas le peintre, c'est un lézard vert qui est junkies en plus. Ah, oui. Puis il y a Mick, qui est un travailleur émigré. Enfin, c'est tous les jeunes du monde qui nous entourent, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Mais je vois pas bien.